Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Tricot. Aujourd'hui, j'ai pas énormément de choses à vous montrer, mais j'ai deux belles pièces et une en cours, donc j'avais envie de venir papoter avec vous. Je suis Florence, Flo Duvar sur Ravelry, Instagram aussi de temps en temps. En principe, tout ce dont je parle, je vous mets les liens en dessous pour avoir directement les accès vers les fiches Ravelry qui sont plus ou moins à jour en ce moment. Voilà. Bon, c'est un épisode classique, hein, les tricots terminés, les tricots en cours et les futurs tricots, parce que j'ai cette fois-ci pensé à vous porter mes futurs échos. Enfin, bref. Donc, on va commencer par un petit tricot qui était déjà commencé la dernière fois et il me restait la dentelle à faire. Donc, il s'agit du châle Liliopsida de Heidi Allender. J'ai eu une aide aujourd'hui. Et donc, c'est un châle gratuit que j'ai déjà réalisé plusieurs fois parce que c'est le châle idéal, je trouve, quand on fait, quand on veut faire des cadeaux tricot, parce qu'il faut juste 400 mètres de fil. Voilà. Et ma foi, il rend pas mal parce que il a toute une partie en jersey qui met en valeur la laine et ensuite une petite partie en dentelle pour donner un peu de fun. Voilà. Et que pour un châle à un écheveau, eh ben il a une taille qui est pas mal. Voilà. Petit châle de demi-saison et comme je disais aux tricopines, les demi-saisons, c'est bien parce qu'il y en a deux par an. Donc au moins, on en profite davantage. Voilà. Mais qui ne va pas du tout avec le reste, mais ça, on s'en moque. Donc, hop. Puis ça, c'est un châle pour un cadeau de quelqu'un qui ne regarde pas l'épisode, donc je peux en parler. Alors, donc, je vous ai dit, c'était un châle gratuit, qui se commence par ici avec un, je sais plus, vous savez, quand on fait la petite bidouille, on tourne autour et tout ça. Bon bref, c'est bien expliqué. C'est un patron en anglais, mais en fait je viens juste de vérifier que c'était bien en anglais parce que, hormis les quelques premiers rangs d'explications, après c'est juste des répétitions, donc on n'a pas grande explication. C'est du, vous savez, pearl pour tricoter en envers, K pour tricoter à l'endroit. Enfin, c'est fait avec le codage anglais, donc finalement il n'y a pas énormément de choses à lire. Et ensuite, pour la dentelle, ce sont des grilles de dentelle à suivre, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de difficulté majeure, il suffit juste de bien mettre, enfin moi je fais toujours ça, c'est-à-dire que je mets toujours des anneaux marqueurs aux répétitions, ce qui permet de bien me repérer. À un moment, il faut, parce que là, je crois qu'il y a trois grilles, trois ou quatre grilles différentes pour cette partie dentelle. Il suffit juste de déplacer les anneaux marqueurs pour que ça corresponde et ça va bien. Et puis on arrive à se repérer aussi avec l'arête centrale ici. Voilà. Donc, j'ai utilisé comme laine de la Arcane Fibre Works. C'est une laine qu'on trouve ici au Canada. Et c'est le coloris Wildwood. Je vais chercher ces crans gros. Donc, 400 mètres pour 100 grammes. Alors, je vous ai dit, c'est déjà un châle que j'ai dû réaliser. 1, 2, 3. Ça va être ma cinquième version. Et c'est la première fois qu'il m'a manqué de la laine. Voilà. Pourtant, il me semble que les chevaux faisaient bien 100 grammes. 400 mètres, 100 grammes. Hein, c'est la 80 Merino, 20% nylon. J'ai déjà utilisé cette composition. Alors, pas de cette marque-là, mais c'est la première fois que j'ai eu. D'habitude, il me reste toujours entre 5 et 10 grammes. Ça fait des petites boulettes pour les chaussettes. Et puis là, il m'a manqué, alors voilà, pour le rabat, il m'a manqué juste ça.
J'étais un peu embêtée. J'ai essayé plusieurs verts. Parce que bon, on voit du vert, du marron, du rose. Il y a plusieurs couleurs. Mais les verts n'allaient pas. C'était vraiment. Enfin, c'était pas les mêmes. Je trouvais que ça se voyait trop. Bon, là, à l'écran, ça se voit aussi hein, que c'est pas. Bah, c'est tout uni, donc ça va pas. Mais finalement, pris dans le truc, ça se voit pas. Je pense que. Bah là, vous le voyez pas puisqu'on le voit pas à l'écran. Bref, faut vraiment le savoir. Mais j'ai dû, je pense, dans l'année, me détendre du tricot parce que parce qu'avant ça passait bien et que maintenant ça passe plus. Mais si vous, je sais pas, logiquement ça passe. Et c'est tricoté en 4 mm. Au pire, la prochaine fois, je le refais en 3,75. Mais j'aime bien la souplesse qu'il a et la taille qu'il a, donc m'embêterait de changer un peu. Quand je le bloque, je mets des petites épingles à chaque pic-pic, là, histoire de marquer un peu les petits festons. Et puis voilà. Alors, c'est un écheveau que j'avais acheté comme ça, un petit coup de cœur, en me disant ça sera très bien pour un cadeau. Je sais pas si vous voyez, mais il était beaucoup plus foncé au début qu'à la fin. Alors, c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant pour un châle, au contraire, pour la dentelle, ça se voit un peu mieux. Je pense que si je l'avais utilisé pour un chandail, j'aurais eu quelques difficultés. Voilà. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive d'avoir des écheveaux qui sont pas uniformes sur toute la longueur. Alors, c'est normal, hein, c'est de la laine teinte à la main, je comprends. Mais ça confirme. Bah, je vous dis ça et en fait je vais être en contradiction avec ce que je vais vous dire après, mais enfin bon, que j'ai moins envie d'utiliser ce genre de laine pour des chandails. Mais bon, pour un châle, ça va parfaitement. Il a une bonne envergure parce que... Voilà. 1,64 m. Non, j'ai toujours pas vérifié si mon envergure de bras correspondait à ma taille, mais bon, on va dire que oui. Donc, le châle Liliopsida de Heidi Allender avec juste un écheveau de fingering. Voilà, voilou, qui va pouvoir aller dans son petit paquet. Mon deuxième tricot terminé, il est là. Bon, lui, je l'avais déjà bien avancé aussi la dernière fois. Alors, hop, je prends ma fiche Ravelry. Oh non, j'ai fermé la page. Je reviens. Bon, je viens de rouvrir ma page, mais en fait, elle n'est pas à jour, donc il n'y a pas beaucoup d'informations. Il s'agit du pull Robinia de Anne Denzel. Voilà. Qui, de base, est présenté en bicolore. Voilà, comme ça ou comme ça. Et que j'ai choisi de faire comme les copines, c'est-à-dire avec un dégradé de couleurs. Ce qui m'a valu quelques petits doutes et hésitations à certains moments, mais je vais vous en parler. Donc, de quoi je vous parle? Bah, pour choisir la taille, j'ai fait un échantillon. Alors elle préconise de tricoter en 4, en 5. Moi j'ai fait en 4,5 parce que je trouvais que c'était plus joli. Sinon c'était trop déjaugé, c'était trop aéré. Et puis j'avais pas tout à fait le bon échantillon, je sais plus parce que je ne l'ai pas noté. Je crois que j'avais 20 mailles. 20 ou 19 mailles. Je sais plus. J'ai gardé mon échantillon. Je vais essayer de remplir ma fiche Ravelry correctement là, dans la journée. Mais je crois que j'avais. Enfin, bon, bref, on s'en fout. C'est surtout que j'ai essayé le modèle qui était exposé à la boutique Les Mains Filées pour savoir à peu près comment ça m'allait. Et j'ai copié l'échantillon. J'avais le même échantillon que le modèle exposé. Celui qui est exposé m'allait très bien. Il n'était pas trop large. Donc j'ai dit, allez zou, je vais le faire comme ça. Et il s'agissait de la taille
Qu'est-ce que j'ai marqué? Ça non plus, je ne l'ai pas marqué. Eh bien, je crois que j'ai fait la troisième taille. Taille L? Ouais, j'ai fait la taille L. J'hésitais à faire la taille XL parce que il y a beaucoup d'aisance recommandée, c'est-à-dire cette partie-là. Et puis, en discutant avec les amis, elle disait non, mais tu verras, ça va être trop large et tout ça. Ce en quoi elle n'avait pas tort, surtout pour les manches. Mais je reconnais que si je pouvais modifier quelque chose, j'aurais agrandi un petit peu, j'aurais aimé un peu plus d'aisance ici, même si bon, voilà, j'ai quand même de la place, hein. J'ai essayé de le tirer un peu au blocage, mais ça s'est tiré, et puis ensuite ça s'est remis correctement, donc bon, voilà. Mais il va très bien, et j'aurais pas aimé que les manches soient plus larges, donc finalement, j'en suis très contente. Pour la construction, on démarre là, devant. On fait toute cette ligne-là en blanc, avec des petites bidouilles ici pour l'encolure. On a quelques rangs de jacquard pour rajouter la deuxième couleur. On fait ça, et puis c'est pareil, du blanc, du jacquard, l'autre couleur, du blanc, du jacquard, la couleur, et tout ça, et tout ça. Dans les rayures, il y a des petites bricoles à faire, mais je vous en parle pas parce que c'est un patron payant. Et puis donc, on déroule jusque là à peu près, oui, jusqu'au niveau des emmanchures. Et ensuite, ben, elle nous fait reprendre des mailles sur l'épaule. Voilà, de chaque côté. Et rebelote pareil, avec notre petit jacquard, nos rayures et tout ça. Et je vous en avais déjà un petit peu parlé la dernière fois, j'avais été surprise parce que... donc moi, j'avais prévu un petit peu mon dégradé de couleur. Mais, arrivé à cette couleur-là, quand je lisais le patron, je voyais qu'il me restait encore deux rayures à faire avant de rejoindre sous les bras. Et là, je me dis, ça colle pas. Ça colle pas, je vais être en décalage par rapport au devant, ça va pas du tout. Donc, grande discussion avec les copines pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et en fait, elles avaient mal lu, j'ai le droit de le dire, oui, j'ai le droit de le dire, les filles. Elles ont mal lu parce qu'il y a une rayure supplémentaire dans le dos afin que, regardez, la couture ici se mette correctement. Ça monte un petit peu dans le dos. Bon, bref, ça se place bien. Et donc, il y a une rayure de plus dans le dos. Si on compte, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dans le dos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, à ce moment-là, je n'avais pas prévu la couleur supplémentaire. J'ai farfouillé dans mon stock. Et j'ai trouvé de quoi faire celle-là. Voilà. Celle-là qui est, ma foi, entre les deux à peu près. Et comme ça, après, j'ai pu rejoindre ici et continuer la suite. Voilà, donc ça a été la première un petit peu péripétie. J'ai pas trop aimé faire le début, j'ai pas trop aimé les rangs en jacquard en aller-retour. Ça, avec ce mélange fingering et poilu, ça glissait de mes aiguilles, j'arrivais pas à gérer la tension, on va rien voir là, la tension des fils parce que j'ai rien croisé, je voulais que ça soit quand même assez souple. Mais il fallait pas que ça soit trop souple non plus pour pas que je m'accroche dedans. Donc, au départ, vous demanderez aux copines, j'ai un peu râlé, quoi. Ouais, je suis française, hein, faut que je râle. Donc, j'ai un peu râlé toute cette partie-là. Et puis, pour le dos, ça a été un peu mieux. J'avais pris le rythme. C'est surtout là, quand il y a les pointes, là, il y a pas mal de...
Enfin, faut être souple du tricot, quoi. Et pas toujours évident. Donc, j'ai pas trop aimé le début de ça, mais une fois qu'on avait pris, j'avais pris le coup de main, ça allait. Ensuite, donc il faut bien lire le patron pour, faut bien le suivre, savoir où est-ce qu'on en est pour ne pas rater cette histoire de rayures supplémentaires dans le dos. Ce qui n'est pas gênant en soi quand on fait le pull comme indiqué, c'est-à-dire en bicolore, puisque là c'est toujours la même couleur, donc la question ne se pose pas. Mais quand on a un dégradé, faut l'anticiper. Et puis, donc j'ai fait quasiment tout mon corps. Alors, Hélène, mon amie Hélène m'avait prévu. Eh bien, je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas pris. M'avait préparé un espèce d'échantillon de toutes mes couleurs. Et j'avais même prévu de faire une couleur de plus au cas où. Une intermédiaire ici. Mais finalement, j'en ai pas eu besoin. J'ai essayé régulièrement mon pull pour savoir au niveau de la longueur. Et en fait, je trouvais que si je rajoutais une longueur, une rayure, il allait être trop long. Là, il est parfait, je trouve. Je vous le montre de plus loin. Voilà. Je l'adore. Hop là, revenez ici. Donc, j'ai fait tout mon corps. Et puis ensuite, eh bien, on relève des mailles tout du long ici pour faire nos manches. Alors, on dirait pas comme ça, mais il y a quand même plein de petits détails parce que là, je vous dis, il se passe des choses. Et puis là aussi, on voit qu'il y a des rangs raccourcis dans les rayures parce que, vous voyez, cette largeur-là, elle est beaucoup plus fine que cette largeur-là. Donc, on a des rangs raccourcis sur plusieurs rayures pour former la manche, quoi. Voilà, pour former la manche. Et là aussi, j'étais pas certaine de la longueur parce que c'était joli de reprendre exactement les mêmes couleurs. J'avais juste peur que ça soit beaucoup trop long. Et puis, à force d'essayer, ça allait. La seule chose que j'ai modifiée, mais alors je n'ai plus du tout aucun détail, c'est que j'ai... qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai réduit... Mince. J'ai réduit les tailles d'aiguilles et j'ai rajouté des diminutions pour que ça soit un peu plus serré que dans le patron. Parce que dans le modèle que j'ai essayé, c'était trop lâche à mon goût. Là, ça va, ça tient. Voilà. Ça aurait été un peu plus serré, ça aurait été mieux, mais bon, voilà. Les manches étaient vraiment très larges. Je les ai tricotées avec mon câble de 40... le plus petit câble de mes aiguilles ID-ID. C'est-à-dire, je crois qu'en tout, ça fait 40 cm. C'est celui que j'utilise pour les bonnets, les tucs. Parce que mes aiguilles de 30 cm c'était trop court, j'arrivais pas à faire le jacquard correctement, donc voilà. Et puis ma foi, ça fait. J'adore cette couleur là, et j'adore cette couleur là. Je pense qu'il va falloir que je m'en refasse un chandail comme ça et un chandail comme ça. je vous parle des laines. Donc je les ai plus. Alors, attendez. Non, je les ai plus. Si. J'avais 4 couleurs. 5 avec le écru. Mais j'ai plus de écru. Je vous expliquerai. J'avais 4 couleurs de fingering. Donc, un rose pâle, un rose moyen, un violet et un bleu marine. Voilà, et ça c'est de la laine. C'est de la laine héritage de Cascade Yarn. Donc 400 mètres pour 100 grammes. La laine fingering toute simple que je vais pouvoir réutiliser facilement dans des chaussettes ou autres tricots. Et avec ça, j'avais une laine poilue
qu'on trouve ici au Québec, de la marque Soyez Laine. Donc ça, c'est de la laine qu'on trouve justement à la boutique Les Mains Filées à Victoriaville, ou alors dans les en festival. En général, elle vient aussi en festival. Alors, parce que c'était vraiment un coup de cœur sur ces laines-là. J'avais donc là écru, là comme ça, un peu plus violet en vrai, là comme ça, et là bleu, voilà. Et donc après, j'ai mixé un petit peu tout ça pour faire les rayures. C'est vrai qu'un échantillon est quand même indispensable pour avoir, parce qu'initialement j'étais partie sur ça et puis j'avais ça et ça allait pas, il a fallu que je détricote pour rajouter cette rayure là. Donc au début j'ai ça avec ça, ensuite j'ai ça avec la moyenne, ensuite je suis passée à l'autre poilu, c'est celui là avec le clair, puis celui là avec le moyen, puis celui-là avec le foncé, puis l'autre poilu avec le foncé. C'est pratique pour filmer, hein. L'autre, le poilu avec le bleu, et enfin, le bleu avec le bleu. Ah, c'est sportif. Vous comprenez bien qu'il... Alors, non, j'ai pas les quantités et... J'ai pas le détail pour chaque rayure de ce que j'ai utilisé. Je sais juste les quantités totales. C'est sûr que le bleu, j'ai quasiment rien utilisé puisque j'ai juste fait mes deux manches et mon bas du corps. J'ai un peu adapté le patron. Je les ai faites un peu plus longues, je crois. J'ai inséré les côtes dans la dernière couleur. Je sais plus si c'était comme ça, mais enfin bon. Après, ça, vous l'adaptez comme vous voulez. Donc, le bleu, j'ai pas utilisé grand-chose. J'ai vraiment pas utilisé grand-chose. Donc, on a fait un trafic de laine avec les tricopines, histoire d'éviter d'avoir à acheter tous ces échelons. Parce que c'est vrai qu'au final, j'ai quand même 4 fingering et 4 poilus. Et que là j'ai pas utilisé grand chose, donc j'ai de quoi faire deux chandails pareils, quoi. Donc ça c'est bien si c'est un reste. Le violet comme ça c'est pareil, celui là je me rappelle j'ai utilisé 20 grammes 20 grammes sur 100. Ça va que c'était un reste, parce que sinon ça aurait été dommage. Le blanc par contre, je crois que j'ai utilisé quasiment à la moitié, parce que il y en a beaucoup plus. Et alors celui-là, il est un peu différent. J'ai utilisé la moitié aussi, mais parce que toutes ces belles couleurs n'existent pas dans la même gamme. Il y en a une, c'est 100 grammes, 900 mètres, 910 mètres. Alors que celle-là, il n'y a que 450 mètres. Elle est deux fois plus grosse, deux fois plus poilue. Au début, ça me chagrinait un petit peu. Donc, c'est pas tout à fait le même fil. Est-ce qu'on pourrait voir la différence à l'écran? Ouais. On devine la différence à l'écran. Celui-là est plus poilu, en fait. Je l'ai senti au tricot. C'était un peu plus dense. C'était moins agréable de tricoter ça que de tricoter ça. Mais au final, c'est quoi, peut-être un peu plus poilu, et franchement, un peu plus épais si je passe la main, c'est vraiment dérisoire. Donc, je me suis pas arrêtée à ça quand j'ai choisi mes laines, et j'ai fait avec, et ça allait très bien. Mais voilà, c'est une laine qui est quand même super intéressante. Je vous redonne la composition. Bébé alpaga 53%, polyamide 24% et mérino fin 21%. 910 mètres, 100 grammes, $22. Faut rajouter les taxes.
Mais voilà, c'est super intéressant si j'en parle comme ça, il n'y a pas de pub, enfin j'ai pas de promo, j'ai pas de machin, c'est juste parce que on a fait cette belle découverte avec les tricopines et voilà, autant vous le faire partager. Il y a plein de couleurs, il y a un joli vert, un joli orange, bon, du noir, de l'écru, du gris, voilà. Il y a quand même pas mal de couleurs et donc on fait des jolies choses. Que vous dire de plus? Ben rien. Je l'ai tricoté en 4,5. Bon, ça doit être tout. Ça doit être tout. Et puis, voilà, voilà. Bon, ensuite. Ensuite, oh non, ça s'est éteint. Ensuite, ça va être compliqué. Ensuite, j'ai attaqué un châle. Attendez, je recherche. Ben, j'ai rien préparé comme ça. Bon, c'est pas grave. Donc, il s'agit du châle Lunae. Ah, mais si, je reviens. J'étais obligée de faire une recherche, j'avais plus le nom de la créatrice. Donc, il s'agit du châle Lunae de Natasha Hornby. Qui est ce châle-là. Qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Et donc, voilà quoi. Alors, voilà la bête. Qui n'est plus. Qui ne tient plus sur mon câble. Mais ça donne une petite idée. Bon. Que vous dire sur ce châle? Je vais d'abord vous parler des laines. Donc j'ai, ben, tout comme celle-là, j'ai de la cascade héritage gris clair que j'avais. Alors j'en avais dans mon stock, mais pas assez, donc j'ai racheté une balle. Ensuite j'avais une balle, une Zoberball que j'avais acheté cet été en France, mais qu'on trouve ici au Canada aussi. Et je n'ai plus l'étiquette. D'une préparation, vous. Je vous mettrai le coloris. Je vous mettrai le coloris quand je le retrouverai sur ma fiche Ravelry, parce que il a pas de fiche Ravelry. Il faut que je lui en fasse une. Et ensuite, il faut. Enfin, j'avais choisi du blanc ou de l'écru. Et là, il faut un peu plus d'un écheveau. Je n'avais pas un peu plus d'un écheveau. Donc, j'ai bidouillé. Ça, c'est le reste de mon Robinia. Et ça, c'est le reste de chaussettes. J'avais fait les chaussettes Fais-moi peur. Donc, il me reste quasiment une pelote. La signature. Voilà. De West Yorkshire Spinner. Avec mon Very Good English accent. Donc, ça et ça. Là, j'ai bientôt fini. Mais voilà. J'aurai de quoi faire tout ça. Donc, je vous parle de cette construction. J'adore l'effet que fait la Zoberball, parce qu'on a un beau dégradé de couleurs. Alors qu'en vrai, c'est qu'une seule couleur. J'ai oublié une rayure. Non, je n'ai pas oublié de rayure. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, on commence. Je crois que je vais commencer de ce côté-là. Ouais, j'ai commencé à rentrer les fils, mais je me suis arrêtée en cours de route. On commence ici. Alerte, je reviens. Faut vraiment que je prenne un câble plus grand, ça s'échappe régulièrement. Bref, donc, j'ai eu peur. On commence par ici. On commence par cette pointe. Et on a ce petit point texturé qui est assez simple à faire. Faut juste. Une fois que je suis dans le rang, j'ai pas besoin des explications. Mais pour commencer le rang, j'avais toujours besoin de regarder comment commencer et puis vérifier si la fin était correcte. Si la fin était correcte, c'est que j'avais rien oublié. Donc on commence par cette partie-là.
avec ce point texturé et on fait des augmentations. On a des petites parties en... Alors c'est pas du jacquard, c'est de la mosaïque, c'est-à-dire qu'on glisse des mailles. Voilà. Donc là, les fils sont bien rentrés, c'est... tout va bien. On refait le point, on refait des petits jacquards. Voilà. Et quand on... Non, on continue, on fait le point, on fait du jacquard. Et quand on arrive ici, c'est notre milieu de triangle. Voilà. Pff, ouais, vous voyez rien en fait. Notre milieu de triangle. Et donc à partir de là, on va faire la même chose en symétrique, mais avec des diminutions. Et donc ça va réduire. Et voilà, on revient là. Ça, c'était la partie facile. Parce que les rangs sont pas bien longs. C'est assez rythmé, on a envie tout de suite, bah surtout avec la Zauberball, moi j'avais envie d'aller voir la prochaine rayure, de quelle couleur elle allait être. Donc ça c'est assez rythmé. Et alors après il y a une partie très... J'allais être vulgaire, non, on va se calmer. Très pénible, ouais, très, très tannante, très... je sais pas comment on dit, mais ça m'a gonflé. Il faut relever... tout du long là, tout ce côté là, là, c'est quoi ça, poussière. Il faut relever moult mailles, le moult ça veut dire beaucoup, voilà. Alors, ceux et celles qui ont regardé mon épisode précédent, je vous avais présenté un petit châle à un écheveau de Laetitia, même les enchiquants, tricote, le Ozono, qui est sur la même construction, si ce n'est qu'il est plus petit, puisqu'il y a juste un écheveau et un mini. Donc c'est la même construction avec un petit triangle, on relève les mailles et ensuite on fait la bordure. Seulement Laetitia, elle prévoit ici une petite manipulation à chaque rang pour que le relevage de mailles se fasse très facilement. On sait où on en est. Elle dit même relever dans chaque boucle ou dans chaque machin, enfin c'est impeccable. Là, on nous dit juste, ben, relever plus de 150 mailles. Débrouille-toi avec ça. Voilà, voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris à peu près la moitié. Ben, j'ai calculé la moitié de mon châle. Je l'ai divisé en trois. J'avais divisé en trois sections. Et donc j'avais à peu près 50 et quelques mailles. Je ne vous donne pas le nombre exact, puisque c'est un patron payant, mais voilà, X mailles à chaque fois. Donc il y a un côté où c'est assez bien fait. Voilà, la partie des augmentations, ça se fait bien dans un sens et de l'autre. Voilà. Et il y a une partie où ça se fait beaucoup moins bien. La partie des diminutions, bah c'est moins joli. Ouais, c'est là. C'est moins joli. Et encore, je l'ai recommencé deux fois parce qu'il y avait des soucis. Mais vous voyez, j'ai des... Non, vous voyez pas. Tant mieux si vous voyez pas. Mais voilà, ça fait des petits trous. C'est pas net. C'est pas droit. C'est pas... Peut-être qu'à l'écran, vous ne le voyez pas. Peut-être que c'est moi qui pinaille, comme d'habitude. Bon, copines ont l'air de dire qu'au blocage, ça se verra moins. J'espère. Bref, là, à un moment, j'avais... je ne sais plus si c'est à lui ou à lui, j'avais un gros trou. Donc, j'ai bidouillé, j'ai passé des mailles derrière. Peut-être qu'il va falloir que je prenne avec un fil et une aiguille pour essayer de recoudre un peu les trous que ça fait. Vous voyez pas, vous, mais... Bon, tant mieux si vous les voyez pas. Mais bon, voilà. Ça a été fort désagréable. Fort désagréable. L'autre moment désagréable, ça a été le premier rang. Parce qu'après... Alors, attendez. On relève des mailles. Non, après, ça a été... Après, on fait cette espèce de mosaïque, là. Qui est la même que ça. Donc ça a été... voilà, ça a été. Et ensuite, ce qui a été encore très désagréable, c'est le premier rang du point texture, là, parce que, bah, il ne faut pas se tromper.
faut pas se tromper, faut pas qu'il y ait de décalage, faut faire plein d'augmentations. On passe son temps à compter. Alors à un moment, j'ai eu une petite mésaventure. Je compte mes mailles, je compte mes mailles, je compte mes mailles, je compte mes mailles, je compte mes mailles. Et puis j'avais mal mis mon bloqueur, comme tout à l'heure là. Et au fur et à mesure que j'avançais, les mailles s'échappaient de l'autre côté puisque le bloqueur était parti. Voilà, quand il y a 350 et quelques mailles, ça fait râler. Donc j'ai eu pas mal de péripéties là-dessus. Alors elle nous donne bien hein, le nombre de mailles. À un moment, j'ai eu une erreur. Est-ce que c'est moi qui me suis trompée? Est-ce que c'est le patron qui a une erreur? J'en ai aucune idée. Il y a bien une partie des erratums dans le patron, mais ça envoie vers une page Ravelry où il y a, ben, vers un endroit de Ravelry où il y a 18 pages. J'ai pas eu le courage de tout lire. Ça m'a bon. Donc voilà. Là, je pense que ça y est, j'ai repris le bon rythme. De toute manière, enfin, je sais pas si on voit parce que moi, ça fait pas le zoom. Le focus, mais la mise au point, voilà, ça fait pas la mise au point, mais on voit bien que c'est à chaque fois décalé, et donc bah, il faut juste bien faire attention de regarder si on a toujours ce petit décalage, parce que si jamais les mailles sont alignées, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Donc à un moment, je sais que j'ai dû bidouiller, j'ai rajouté une maille au milieu, et puis ça fait l'affaire. Voilà, donc là j'ai encore je crois 6 rangs de points texturés à faire et ensuite eh bien, je vais avoir une grande partie de jacquard à faire, pas de jacquard, de mosaïque à faire et j'ai hâte. J'ai hâte parce que j'ai hâte aussi de voir les dégradés. Voilà. J'attends. Il faut que j'arrête mais... J'ai les tricots qui font plaisir en ce moment. Heureusement qu'il y a ça parce que il y a des choses contrariantes en ce moment. Bref. Ce qui fait d'ailleurs que je tricote pas énormément. Vous avez l'impression que j'ai beaucoup tricoté, mais lui, il était quand même bien avancé la dernière fois. Et puis, c'est tout ce que j'ai, quoi. Donc, ça avance pas tant que ça, tant que ça. Que vous dire de plus? Ben, c'est tout. J'ai une paire de chaussettes. J'ai deux paires de chaussettes en cours. Une petite paire en bambou que j'avais commencé cet été mais que j'ai toujours pas terminé, c'est mon tricot voiture, mais comme je ne prends plus la voiture, enfin beaucoup moins la voiture, et eh bien elle n'avance pas. Et une petite paire de chaussettes pour ma maman, mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire, je vous en parlerai dans le prochain épisode quand ça sera terminé. Voyou, voyou. Bon, on parle achat. Alors c'est des achats que j'ai fait et ben, je sais plus, fin octobre, fin septembre, fin septembre. Fin septembre, il y avait le festival de la petite laine à Rivière-du-Loup. Donc j'avais pas du tout l'intention d'y aller parce que c'est 3h30 de route, parce que je savais pas trop au niveau de mon travail comment ça allait se passer et tout ça. Et puis 4 jours avant avec une tricopine, on a dit allez, zou, on y va, on se fait l'aller-retour toutes les deux. Et puis, on est allé passer une journée là-bas. C'était bien sympathique et j'ai fait quelques achats. Ouais, j'aurais dû vous en parler avant, mais voilà, j'avais rangé mes écheveaux et puis j'avais complètement oublié. Mais là, ça revient parce que même si mon châle n'est pas encore terminé, je suis déjà en train de me projeter sur la suite. C'est vrai que je suis assez mono en cours en ce moment. Bah, les chaussettes, ça compte pas. Hein. J'ai que mon châle. Ouais, c'est bizarre. Bah, c'est bizarre, mais d'un autre côté, je suis pas capable de faire autre chose en ce moment. Donc, voilà. Mais je suis quand même en train de penser à la suite. Donc, première chose que je voulais absolument acheter, c'était une quantité de pull pour me faire... rallumer la tablette. Pour me faire le pull coffee. Coffee ? Coffee. De même les anges tricotes. Alors, plein de pages, je vais pas le trouver. Pull coffee. Donc c'est un pull en fingering qui a une encolure en V, qui a de la dentelle sur les manches. Et ce que j'aime beaucoup aussi, on voit pas très bien, une belle dentelle sur le dos. Voilà.
Ça fait un moment que je louche dessus. Je me dis, alors ça ne sera pas un pull pour l'hiver, hein. Juste un petit pull en fingering avec plein de dentelles, ce n'est pas l'idéal. Mais là, pour la fin de l'hiver ou pour la fin de l'été, enfin pour la demi-saison, ça serait parfait. Et je ne savais pas trop sur quelle couleur partir. C'est toujours un peu. C'est compliqué en festival, on voit toutes ces couleurs, on fait, oh, j'adore, 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 j'adore. Oui, mais au final, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qu'il me faut dans ma garde-robe et tout ça? Et donc finalement, je me suis orientée sur un fil turquoise. Donc j'en ai 4 échevaux. Ouais, c'est toujours pareil, hein, on galère avec nos couleurs là. Il est plus foncé en vrai, mais ouais, c'est pas mal la bonne couleur quand même. Un peu plus foncé. Donc, il s'agit de la Hartfield 80% mérino, 20% nylon. Et j'ai pris 4 échevaux parce qu'il n'y a que 354 mètres pour 100 grammes. C'est un fil un peu plus dodu que de la fingering classique. Je ne sais plus en combien il se tricote. Je verrai. Il faut que je fasse un échantillon. J'ai même pas le courage de faire l'échantillon. Enfin. Ouais, déjà, il faudrait que j'ai le courage de bobiner ça, bobiner 4 échevaux, sortir tout mon bazar et tout ça, j'ai pas le courage en ce moment. Mais c'est quand même ce qui est prévu parce que cette couleur-là, je sais pas trop si ça me va ou pas, mais ça ira super bien avec ça. Puisque de temps en temps, il y a du. Oh là là. Oh oui, ça me met en joie ça. Ça me met en joie, ça ira très bien. Donc, 4 échevaux. Pour un pull, un chandail. Vous voyez, voilà. Et ensuite, donc autant vous dire que 3h30 de route, on a le temps de papoter tricot. Ouais, c'est ça, c'était fin septembre parce que la veille venait de sortir le premier indice du Mystery Call de Steven West. Le je sais plus comment il s'appelle. Bah, vous le savez parce que vous le voyez partout. Peut-être que même vous en avez marre de le voir partout. Le Gogo Dynamo. Voilà. Donc moi, Steven West, il y a beaucoup de patrons que j'aime de lui. C'est un peu farfelu et tout ça, mais justement, ça fait des grands châles. Je dois en avoir deux, trois. Et là, j'aime. Bon, c'est vrai que des châles, j'en ai quand même pas mal maintenant. Mais j'ai pas un grand châle que je pourrais mettre plus sur les épaules quand je suis à la maison. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas. J'avais adoré, pas les deux derniers, les deux d'avant, je crois. Mais je m'étais pas lancée parce qu'à ce moment-là, j'avais d'autres choses à faire. J'ai beaucoup moins aimé les deux derniers. Celui avec les espèces de tresses là au début me plaisait énormément et puis après quand j'ai vu le dernier indice je fais non ça ne me plaît pas, j'ai pas dit que c'était pas bon, j'ai dit ça ne me plaît pas, ça ne me convient pas, j'aime pas cette forme là. Celui de l'année dernière m'a pas emballé plus que ça. Il y avait eu l'histoire avec le premier indice là, ça m'avait ouais non bon je suis passée. Et donc là, le premier indice m'a bien plu. Mais j'ai dit, on va attendre de voir les autres indices. Hein, parce que donc un mystery call, ça veut dire que toutes les semaines, on reçoit un morceau du patron. Et donc, il faut attendre un mois, les 4 semaines, pour avoir tous les indices. Je me suis dit, je vais quand même attendre les autres indices pour savoir si ça me plaît ou pas. Deuxième indice, ça me plaît bien. Troisième indice, ça me plaît bien. Même si je ne sais pas où il va, et là je vous cache pas que j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit, est-ce qu'il va nous en faire une écharpe? Qu'est-ce qu'il va nous en faire de cette grande bande? Faut s'attendre à tout avec lui, voilà. Et quatrième indice, j'aime beaucoup, ça fait un châle demi-lune, donc ça serait idéal pour mettre sur les épaules. Il a l'air assez grand puisqu'il a 4 échevaux. Je me suis dit, ah, voilà. Et puis là, en ce moment, on en voit plein, donc. Je peux vous le montrer parce qu'on voit vraiment. Ça, c'est la version de Steven West. Donc, avec ses arrondis, ses. Voilà.
la partie supplémentaire, optionnelle, pardon. Donc j'avoue qu'il me plaît bien. Il y a plusieurs versions. J'avoue que très contrasté, il est pas mal aussi. Enfin, il y a vraiment plein de versions. Je me dis, oui, non, je sais pas, peut-être. Donc, quand je suis partie au festival, on a dit, j'ai gardé dans un coin de ma tête en me disant, si tu trouves 4 échevaux, enfin 2 et 2, bon, voilà, laisse-toi tenter. Et ouais, mais 4 échevaux, j'ai déjà plein de couleurs en châle. Sauf que je n'ai pas cette chose-là. Je n'ai pas de couleur d'automne. Je sors un peu les... Voilà. C'est beau. C'est beau. Donc, il s'agit de la laine Florabelle. Florabelle. 75% mérino, 25% nylon, 400 mètres pour 100 grammes, et c'est le coloris Renault. Voilà. Donc, j'ai vraiment flashé dessus. Je fais, oh, ça, j'ai... Pas pareil, je sais pas si ça me va ou pas. Bah, ça va à tout le monde, ça. J'ai vu ça, je fais waouh. Ok, mais ça complique les choses d'avoir une laine aussi variée. Et donc, ensuite, en allant chez Biscotte, ouais, Biscotte, j'ai trouvé ça. Voilà, donc là aussi, j'en ai deux échevaux. Hop. Et je me dis, alors je vous montre sur un. Je me dis que ça rappelle ça. Mais ça devrait quand même, même s'il y a des endroits où ça sera peut-être un peu trop ressemblant, je me dis que ça devrait peut-être pouvoir aller pour faire le chat de Steven West. Donc ça, c'est chez Biscotte, c'est Patrick Nitz, c'est la collection Patrick Nitz. On s'en moque, 85 mérino, 15% nylon, et c'est le coloris, j'en sais rien. Please love... Please love moi. Oh, ben je te love tant que tu veux. Voilà. Je te love quand tu veux. Bon, ça, c'est sûr, ça ne va pas, mais on s'en fout. Ça sera mélangé. Voilà. Donc, je ne sais pas. Est-ce que je le tente ou pas avec ça? Est-ce que... Je ne sais pas. De l'autre côté, les châles à 4 échevaux... J'aime bien le côté demi-lune de Steven West. Donc, il y a des chances que ça soit ça. J'ai vu qu'on pouvait rajouter un peu du mohair. Il faudrait que je vois, à moins que je... Oh. Ok, faudrait que je vois dans où est-ce qu'il le demande. Je sais pas, j'ai pas encore acheté le patron, j'ai pas encore regardé. Je m'en occupe en général vraiment qu'à la fin. Je voudrais d'abord commencer ça, mais je pense que ben, le début de ça va bien m'occuper. Et une fois que ça tournera tout seul parce que ça sera juste du jersey, ben je pourrai m'attaquer à ça. Oui, ce sont des couleurs d'automne. Il y a des chances que je les tricote en plein hiver, mais c'est pas grave. Voili, voilou. Ouh, ben finalement, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, dites donc. Ben écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai fait le tour. Je reviendrai vous voir, ben je pense, quand mon châle Lunae sera terminé. Peut-être j'aurai enfin eu le courage de bobiner mes 4 échevaux pour mon pull coffee. Et puis voilà. Bah écoutez, on se retrouve un peu plus tard au mois de décembre. Alors je sais qu'il y en a plein qui vont faire des podcasts, comment ça s'appelle, des vlogmas. Non, pas de vlogmas ici, j'aurai pas le temps de le faire. Et puis je pense que vous allez être submergés de vidéos, pas la peine d'en rajouter. La mienne va déjà se perdre dans tout, parmi toutes celles présentes, c'est, voilà, bon, sans commentaire. Je vous souhaite de passer des bons moments tricotesques, pensez à vous, et puis on se retrouve bientôt.